Bonjour et bienvenue de retour, épisode 4, dans notre village, sur le dos d'une créature. Et la créature, elle se balade dans le monde. Donc, on est ici. Donc, on a un petit problème avec la tempête de sable qui est devant nous et notre créature qui est fatiguée. Donc ouais, on a ça, on a eu des décontaminateurs. Donc, maintenant, ils peuvent se balader et brûler tout ce qui traîne. Voilà, très bien, avec des lance-flammes, c'est cool, c'est vraiment cool. On a fait un chemin vers l'arrière de la créature, ça se passe bien. On a... Faut qu'on sorte du désert. On a un problème avec le désert. On a un gros problème avec le désert. Mais sinon, ça va. En gros, ça va. On a des constructeurs... qu'ils fassent les routes et tout ça. On est en train de faire une nouvelle cuisine aussi. Alors toi, si je te fais courir, tu vas... Alors attends, si je te dis de dormir, allonge-toi. Tu t'allonges devant et quand tu seras... Parce qu'elle va sûrement dormir si elle est fatiguée. Va vouloir dormir au bout d'un moment. Si elle dort, ce serait vraiment bien. On va la nourrir. Okay, cuisine finie. Ok, donc on a dit la dernière fois, en fait, c'est qu'on avait des problèmes avec les baies. Parce que les gens doivent manger les baies, en fait, directement. Là, du coup, ça devrait mieux se passer. C'est bien. Alors, ok, attends. Tu veux pas honnêtement dormir? Okay, stop. Genre, dors un peu, puis après on te fait courir. Tu veux pas dormir? Honnêtement, ce serait vraiment cool si tu voulais dormir. Je t'en supplie, dors. Yes. Parce que là, en fait, si je la fais sprinter, elle va s'arrêter en plein milieu, je suis quasiment sûr. Stop. Ok. Recherche d'aliments nourrissants. Ok, très bien. Elle va sûrement s'endormir. Ok. Alors, tiens, en parlant de dormir... Ordre de dormir... Ouais, mais j'ai pas de connaissance. J'ai rien dit. On peut faire les huttes maintenant. Ça pourrait être utile. Ouais, ça pourrait être utile les huttes. Sinon, après, on a plus grand chose à faire sans... Yes, nickel, dors. Très bien. Voilà, se repose. Voilà, on n'a pas de... Ouais, c'est bon, c'est nickel. C'est très bien. Ça nous fait gagner du temps. Les gens, on ne les a pas envoyés. De toute façon, on n'a rien. Strictement rien. Du coup, ça, planter plus de cactus, si vous voulez. Ça nous fera de l'eau. Alors, vous continuez à brûler tout ce qui bouge. Là, vous êtes que deux pour le moment, c'est nickel. Très bien, fais voir, on a du bois, du métal... du métal. Je vais tout le temps dire métal, je pense. Je pense que ça va être automatique à chaque fois, je vais dire métal. Qu'est-ce qu'on a à faire pour... Ok, ils ont fait la route. Qu'est-ce qu'on aura à faire pour optimiser encore? Faire une route ici. Très bien, il faut voir la nourriture. La nourriture, la production de nourriture est un peu basse. La production de nourriture est un peu basse.
Ouais, parce qu'on a plus de blé. On a plus de blé. C'était une erreur de ma part. Alors, faut voir. Elle dort toujours ou pas? Ça va. Très bien. Ouais, là on a eu un problème de nourriture. Mais bon. On va gérer, hein. On va gérer. Ok, elle se réveille. Vas-y, dis-moi quand t'es prêt. Ok, go. Let's go. Allez. On y va. Oh, j'ai pas d'équipe. Merde. Chaque fois, je vous dis. Ok, cool. Va au sud. Nickel. Tu peux marcher. Ah, belle, brave bête. Ok, recherche de hutte effectuée, très bien. J'ai pas de connaissances, donc entrepôt. Envoyer une équipe. On n'a plus d'eau. On n'a plus de nourriture. Ça risque de poser un problème. 3 de reconnaissance, très bien. On va bientôt sortir de ce problème. On est bientôt dans l'eau. Là, on va devoir sûrement se le prendre. Quoique, je sais pas. On peut pas la faire courir non-stop parce que sinon elle va être trop fatiguée. Prendre la nourriture. Ok, biome océan, c'est reparti. C'est bon. On est reparti. Je sais pas si on va perdre des gens.
J'espère pas, honnêtement. Oh, nickel, on l'a esquivé. J'espère pas. Ça devrait être ok, ça devrait être ok. Alors, ça, c'est la boulangerie. Il nous faudrait peut-être plus de nourriture. Je suis en train de me dire peut-être 2 boulangeries. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait être une solution intéressante. Alors on a perdu une personne à cause de la faim. On a rencontré un petit groupe de voyageurs. Ouais. Il nous faut plus de nourriture, en fait. Faut faire plus de réserves de nourriture. Okay. Toi, tu fais quoi, toi? T'es médecin du village. Okay. Les plantes, c'est reparti. Oh, on a rien qui récupère de l'eau de mer ou des poissons et tout ça. Donc ça, c'est un peu le problème. Par contre, notre créature est fatiguée. Elle va pouvoir se reposer là, donc c'est pas, ça va. La nourriture, c'est reparti. Le moulin, c'est bon. On a récupéré du bois. Petit à petit, il brûle tout, lui. Eh bien, il va pouvoir se reposer, manger et se reposer. Okay. Bon, on a perdu une personne pour le moment. Ça va. Alors, 6. Il nous faut de l'eau. Il nous faudrait des réserves d'eau à la limite. Ah, tiens, on a fini ça. Ok, on a fini quoi du coup? Entrepôt et hutte, ok. Maintenant, on pourrait peut-être commencer ça. Ouais, tout ce qui est haut. Ok, on a eu des colons, c'est bien. On a des problèmes de, de nourriture, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend encore plus de colons. C'est une très très bonne idée. Mais franchement, oui. Franchement, oui. Très bien. Full blé. Limite le moulin avant, faudra un deuxième moulin avant. Ça, c'est bon. Alors, je regarde si la collecte d'eau fonctionne. Il faudrait des réserves d'eau, en fait. Ouais, des réserves d'eau. Où est-ce qu'on peut en mettre? Là? Ah, c'est bête, j'aurais bien voulu en mettre 2 là, là. Ah, ça aurait été parfait. Ah, putain, c'est bon, ça va pas faire beau. Là aussi, pareil, on est bloqué. Ah, comme ça. Là, on a 2 boulangeries qui fonctionnent à plein régime. C'est ok, vous me récupérez ça. Ça aussi, ça fonctionne bien. On a encore combien de personnes qui travaillent pas? 3. Enfin, 3 polyvalences qui travaillent pas. Là, on plante à foison. Ça, on le finit.
Là, on met une réserve d'eau, là aussi. Les réserves d'eau, c'est bien, en fait, si on a du surplus. Après, bon, comme j'avais fait le système... En fait, le problème, c'est qu'on est resté trop dans le désert pendant trop longtemps. Le désert a duré vraiment trop longtemps. C'est ça qui nous a foutu un peu dans la merde. Mais là, c'est bon, on est en train de revenir. Ouais, là, on est en train de revenir, ça va. 118, vous voyez la différence, c'est pas mal. Toi, tu fais quoi? Toi, t'es en train de faire... On est en train de faire des champignons. Il faudrait des algues. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça remet de la vie, en fait. Alors... Là, on a 7. Là, on a 2. Il faudrait, c'est ça. On a des champignons? Pas vraiment. C'est très compliqué à faire des champignons de soin. C'est les plus chiants à faire, honnêtement. Ultra chiant. Il faudrait plusieurs... plusieurs endroits. Alors, attendez. On va commencer à... faire des nouvelles maisons. Alors, le problème avec les maisons, c'est que je sais pas... Est-ce que je détruis les anciennes ou pas? Je pense que oui, ça serait mieux. J'essaye d'optimiser un peu plus mon endroit, là. Ok, la décontamination, ça progresse. Ça marche à plein régime. Ouais, ça, c'est nettement mieux. Hein. Ça se passe nettement mieux, je pense. Faire des brouées, là. Recherche de collecteur d'eau effectué. Très bien. Atelier de pêche. Ah putain, t'es sérieux? Chier. Ça me rend fou ce système. ça va me rendre complètement cinglé. Parce que du coup, je préfère faire ça. Et on met des réservoirs d'eau à côté. Parce que du coup, eux, ils peuvent emmagasiner de l'eau aussi de... de l'eau salée, en fait. Ah, t'es sérieux? Ouais, bon, ça va, il a juste... ça le fatigue, en fait. On va aller à ça. On a récupéré du sable, très bien. T'as faim? T'as faim, mon petit? Ça commence à prendre forme. Ah, ça y est, c'est fini. Carrière, c'est fini. Donc on peut la détruire. Il nous faut une nouvelle carrière. Juste là, c'est très bien. Juste là. Nickel. Alors du coup, le bois aussi va sûrement être fini bientôt. On peut en mettre une déjà là. Ok, il remue la queue, c'est-à-dire qu'il est content. Nous, on a des médecins, ouais. Il y a beaucoup de micro-gestion là, par contre. Là j'avoue qu'il y a beaucoup de micro-gestion. Alors, collecteur d'eau de mer est fini. Nickel. Alors, il nous faudrait... Ok, il y a des gens, très bien. Il y a des gens empoisonnés. Ah oui, non, mais ils sont revenus. 14 plantes médicinales, très bien, nickel. Nickel. Repartez. Alors, le collecteur d'eau.
Ça c'est bien, ça va fonctionner. Il nous faudrait des constructeurs. Ok, on va pouvoir faire des champignons, là, ça va. Parce qu'ils mettent du temps à pousser. Je crois que c'est qu'ils mettent beaucoup de temps à pousser. Je vais voir ce que c'est. Champignons délicats avec des propriétés curatives. Ils te disent pas vraiment en fait. Peut-être là. Alors champignons dégâts humains, mélange de la terre et de l'engrais, un ingrédient précieux pour la médecine vendue. Ouais, il y a que ça. Mais ouais, je crois qu'ils sont lents en fait à être récoltés. Besoin de plantes médicinales à chaque fois. Ouais, ça consomme beaucoup hein, en fait. Et ça c'est plein. Il faut du bois et de la pierre. On a plus de bois du tout. On a plus de bois du tout. Bah tu m'envoies surpris. On récupère de l'eau de mer, c'est bien. Alors le blé, le pain, fais voir un peu. Bon, on a plus de blé que nécessaire. C'est, honnêtement, je trouve que c'est faut calculer, évidemment. Mais des fois, c'est un peu compliqué de savoir ce qui le dosage. Parce que j'ai toujours plus de blé que de farine. Mais pour l'instant, t'as les deux boulangeries qui fonctionnent à plein régime. Et j'ai pas de problème. Donc le blé, on peut le calmer un peu. On peut le calmer un peu le blé. Qu'est-ce qui se passe? Ok, tu peux te reposer ici, c'est bien. Alors on était parti dans quoi, non? On n'a pas de connaissances. Ok, on a un atelier de pêche maintenant. On a l'évaporateur. L'évaporateur, ça permet de créer du sel, de l'eau. Je crois qu'il y a une substance de... Ah oui, on peut faire extracteur de bile. Ça pourrait être intéressant. Si jamais on en a besoin. Le grenier. Le grenier, le problème, c'est que ça prend du métal. On peut mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on a des améliorations intéressantes? Alors, les améliorations de la cuisine, je sais... honnêtement, je sais pas ce qui est intéressant. Genre ça, c'est 50% moins rapide, mais du coup, ça fait plus 1 de ressources. Donc au lieu de 5 plats, on en a 6. Mais 50% moins rapide, c'est honnêtement, c'est énorme. Après, il y a ça qui est vachement puissant. Ça, mais par contre, ça demande plus 1 de ressources. Et ça augmente de 100%. Honnêtement, je sais pas quoi prendre. Là, je dirais en fait que ça manque de... Là, on utilise les ressources, les baies trop rapidement en fait. On pourrait faire ça. Ah ouais, mais il faut du métal, j'ai pas de métal. En fait, tout ce qui demande du matériel rare, c'est le mieux. Hein. C'est, y a pas photo. Les fermes, pareil. Les fermes, je sais jamais. Là, ça fait 3 employés de plus. Ça peut être intéressant. Mais c'est beaucoup de monde. Ça, je crois que c'est le mieux, mais il faut de l'engrais. Augmente le rendement de toutes les cultures produites par ce bâtiment de plus 1. Mais le composant nécessaire pour le planter. Chaque fois, il faut de l'engrais, en fait. Je crois. Hein. J'ai jamais fait, mais je crois que ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'on a du verre? On a 7 de verre, donc à la limite, on peut faire quelque chose en verre. Un évaporateur d'eau, ça pourrait être pas mal. Surtout qu'on utilise l'eau de mer, ça fait du sel et de l'eau, si jamais on a vraiment un problème. Ouais, c'est pas mal. On a le poisson. L'atelier de pêche. Pareil, je peux pas le mettre là, c'est relou.
Je sais pas où placer mes trucs. Ah, ça me rend fou, quoi. On va le mettre là. Ça, on récupère de l'eau à fond, c'est bien. Bon, on a récupéré un peu de bois. Ok, tu peux dormir. Okay, on a récupéré du bois aussi. Ah, là, on a frôlé la catastrophe. Ok, donc toi, t'as plus de ressources. T'as plus de ressources pour le moment. C'est pas grave. Il faut des constructeurs. Ok, nourriture, on est reparti. Ça va les champignons? Pourquoi les champignons ils partent aussi vite là? Attends. Ah oui, les champignons on les utilise pour les toxines, ça va. Ça, c'est normal, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est un peu de nourriture. J'en sais rien en fait. On va voir. 6, 4, ok, ça marche. On va lui donner à manger. Après, il faudra le soigner un peu. On va faire un peu des champignons. Ok, l'eau c'est bien, ça gère. Un truc aussi qu'il faudrait qu'on ait, alors ce serait du transport. Il faudrait d'abord finir ça. Ah putain, on est de retour sur un biome du désert. Tu vas pas me dire qu'elle va me faire un deuxième tour, non? Non, c'est bon. Alors, on va ultimement finir à te dépêche. C'est bien parce qu'on est plus dans l'eau. Donc c'est fini. On a encore bien tombé. Mais un truc qu'on peut faire, ce serait du transporteur. Pour gérer l'eau, par exemple. Parce que l'eau, elle est pleine de tous les côtés, elle déborde. Bon, on est de retour dans le désert. C'est pas le plus fun. Alors, fondation d'une colonie. En parcourant le désert aride, vos explorateurs rencontrent des éclaireurs d'une autre tribu. Ils cherchent à fonder une nouvelle colonie et demandent votre aide pour construire une fontaine car il n'y a pas d'eau à proximité. Donnez-leur ce qu'ils demandent, mais pourriez aussi de nous rejoindre sur l'obus. Ou alors lui offrir un peu de votre eau. Non, on va faire ça. 36 d'eau, nickel. 7 personnes. Ouais, parce que c'est des dalles de pierre. Les dalles de pierre, c'est quand même... 20 dalles de pierre, c'est énorme. C'est énormément de ressources. Donc, ouais. Encore eux qu'on en avait pas mal. Hein. Ok, là, ça, c'est... Là, c'est... Waouh. Ok. J'avoue que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Alors, ce qu'on va devoir faire, c'est plus de farine. Plus de farine. Parce qu'on n'en fait pas assez. Ça commence à diminuer. Donc ça. On peut gérer un peu plus. Transport. Alors ça, le biogaz, il nous en faut un peu plus. Là, on est au max. Une population a augmenté, donc déjà augmente. Ah, population, j'ai cru, je me suis dit, attends, pollution, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Là, on est bon.
on fait du bois, toi, on prend les gens. On va faire ça, puis après on fera le reste. Là, on a encore des gens qui arrivent. Où est-ce qu'ils vont? Ah oui, il y a encore ça, c'est vrai. Ok, donc transport. Il faudrait que les gens... Alors, ça c'est un truc que j'aime, que je regrette dans le jeu. C'est que... Par exemple, là, c'est plein. Il faudrait bien que les gens mettent l'eau dans les réserves d'eau. Et ils font pas ça. Donc ça, c'est un petit problème, ça. Vas-y, dors. Alors, moi, j'utilise le transporteur. Recherche vaporateur, fini. On pourrait faire grenier. Qu'est-ce qu'on a? On a deux de connaissances. De toute façon, on est un peu limité là avec deux de connaissances. Alors, le truc qu'on pourrait faire, ce serait extracteur de bile, j'avoue. Parce que comme ça, on aurait du carburant, en fait. Un peu plus facilement. Mais... Du coup, il faudrait que... Ouais, on va faire extracteur de bile, je crois. Il y a le grenier qui peut être intéressant, mais bon. Il faut du métal, on n'a pas de métal. Fonte du drill, c'est combien? Ah, c'est 5. Oui, on va faire ça. Toi. Pourquoi tu travailles plus? Oui, non, c'est parce que... Est-ce que... Ah, est-ce que vous rangez l'eau? Il y a un peu de rangement d'eau. Là, par contre, il n'y a que dalle. Go, 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 go. Je sais pas s'il va pas les louper. Je veux bien honnêtement qu'il sprint parce que j'aime pas rester dans le désert. J'aime pas du tout rester dans le désert. Ok, on a du... Ok, on fait du blé. Très bien. Ouais, parce que là, on n'en fait pas assez en fait. Ok, nickel. Accueillir. Parfait. Ok, stop. Quoique, je voudrais bien que tu continues à tracer, en fait. Avec de la chance, on esquive la tempête. Ok, est-ce qu'on va avoir un problème de nourriture ou pas? Ouais. On va avoir un problème de nourriture. Donc, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il nous faut qu'on... faut un évaporateur. Évaporateur, on va le mettre... Genre ça, c'est de l'eau salée. On va le mettre là, nous. 7 minerais de fer, très bien. Combien on a déjà encore? Il est polyvalent 4. Réparer. Par contre, je voudrais bien savoir ce qu'ils font, les mecs. Évaporateur fini. Donc, on peut transformer l'eau de mer en eau et sel. Et après, on peut utiliser ça aussi. Donc, c'est du sang en eau. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Alors, pour augmenter la nourriture,
On pourrait faire une deuxième ferme. Franchement, on pourrait faire une deuxième ferme. Et notre deuxième ferme, on en fait autre chose. Pour augmenter le rendement de la nourriture. Même si, théoriquement, on va pas vraiment en avoir besoin, je pense. Bon, par contre... Ah, putain. C'est juste le bâtiment qu'on a besoin, quoi. On peut le réparer, genre... illico presto, s'il vous plaît. Genre avant que ça revienne, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est là? Oh mon dieu. De toute façon, il y a quelqu'un qui va devoir courir dedans et tout, de toute façon, on va pas avoir le temps. Go! Go, lève-toi! Cours! Cours, c'est trop tard! C'est trop tard! On va se prendre une deuxième vague. Mais marche, 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 marche. Putain. Ah, alors. Où est-ce qu'on va? Lieu de repos. J'ai plus de personnes pour... Ouais, non. Où est-ce qu'on va? Nouveau biome. Allez, vas-y, nord. On sort du désert, parce que c'est le désert qui nous fout dans la merde tout le temps. Toi, tu peux repartir brûler si on a un peu de biogaz. Oh, la nourriture, on repart là, les gens. Tu vois, nos réserves, elles sont en train de s'épuiser à une vitesse. Ah oui, merci, parce que... Au bout d'un moment, fonctionnait, quoi. Ok, ça c'est fini, nickel. Donc ouais, j'avais dit, pour être sûr de bien faire, là, il faudrait peut-être avoir une deuxième ferme, parce que sinon, ça va pas... Ça va pas vraiment fonctionner. On va avoir des problèmes. Alors après, est-ce qu'on a besoin d'eau en plus? Je dirais pourquoi pas. On pourrait faire ça. Là, on fait de l'eau, c'est bien. J'ai pas vraiment envie de me reprendre encore une tornade, s'il te plaît. Il y a déjà un orage violent aussi, donc ça va. Ok, stop. Nickel. Ah, je sais, t'as faim. Ok, parfait. Putain, il va falloir tracer encore. Ah, si je le fais tracer, il va s'arrêter en plein milieu. Que j'attende le dernier moment.
Là, on est dans quel biome? C'est montagne, c'est froid. On y attend. Biome montagne, ouais, c'est ça. Quoique. Ça va être juste. On va devoir s'arrêter aussi. Ah, c'est stressant ça. Je suis content d'avoir vu ça. Ok, on est bon. Ouh, on est bon. Ok, on est reparti avec eux. On est reparti. Il nous faut du bois. Il nous faut du bois à fond. La nourriture c'est reparti aussi. Ok, nickel. Empoisonné, bonne santé, très bien. Ok, on a pas mal de gens, honnêtement, ça va. On a 62 personnes, c'est beaucoup. Faut qu'on fasse plus de logements aussi, parce que je les ai pas réparés. Je les ai pas réparés exprès. Pour pouvoir les changer. On n'est pas en planche et en bois. C'est un problème. Étrangement, le bois, c'était pas vrai, c'était plus trop un problème. Maintenant, là, on est reparti. Surtout qu'on n'a plus trop de bois à couper, en fait. Mais bon, on va gérer. On a encore des souches. Là, on a encore 200. Là, encore 200. Donc, ça va. Après, il va falloir récolter du bois, des graines, en fait. Notre lance-lame, il fonctionne. Toi. Alors, toi. Ok, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? On peut lui faire faire des betteraves. C'est pas mal. Là, ça va. Être à 5. Ouais, comme ça, il nous faut. Ouais, il nous faut ça. Là, ça fonctionne bien. On est jamais trop en avance avec les baies. Ça nous fait un petit apport. C'est pas vraiment le meilleur apport, mais c'est bien. On a pas mal d'eau. On va récupérer plus de bois. Bon, ça va. On a sauvé l'histoire. Oh la vache. Ah, c'était chaud, hein. C'était chaud. Là, on a passé un mauvais quart d'heure. Alors, sinon. Nourriture, on est bon. Soins, on est bon. On va prendre champignons normaux. Pour faire un peu plus de nourriture. Parce que les soins, c'est bon. On en a même deux de côté encore. Donc, c'est nickel. Ce qu'il nous faudrait, ce serait ça. Potion de soin. Tiens, on va finir ça. Voilà, nickel. Et on a... Ah, on a toujours deux de connaissances. C'est chiant, ça. Le stand est pas mal, mais ça prend une personne. Ça qui est chiant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Honnêtement, il n'y a plus grand-chose à faire. Là, on est en endgame. Il suffit juste de... J'ai envie de dire de survivre, en fait. Extracteur de sang. La ferme aquatique est intéressante. Ça permet de faire des algues. Et bien sûr d'élever des poissons aussi, mais c'est surtout les algues qui sont intéressantes. Ouais, non mais avec deux de connaissances, moi je fais rien du tout. Hein. C'est chiant. C'est méga chiant, je peux rien faire du tout.
Mais non, c'est relou. Allez, on s'arrête là. Cinq constructeurs, on refait des champignons. Ok, on va un peu voir ce qu'on est en train de faire. Là, on récupère du bois, là, on récupère de la roche. Là, on va récupérer du bois en plus, parce qu'on n'en a plus trop. Ça, on peut l'augmenter au max. Et il nous reste encore deux personnes polyvalentes et cinq constructeurs, ce qui est beaucoup. Très bien. Là, on fait du blé à foison. Le blé, ça se passe super bien, parce qu'on a assez de farine et on a assez de pain. Donc j'ai envie de dire qu'on n'a même pas besoin d'avoir autant de gens. Mais on va faire des greniers en gros. Tiens, pas de greniers, ils sont là. Extracteur de bile, ça peut être intéressant. Ah oui, l'extracteur de bile, faut le mettre à un endroit précis. Ouais, c'est ici. Ouais. Normalement, il n'y a que ici. En fait, en gros, c'est le corps de la créature, donc c'est sympa qu'ils aient fait des trucs comme ça. Du coup, ça vous pousse à bien placer les choses. Alors, le grenier, c'est 200 de chaque... Ouais, ça, c'est vachement bien, mais il faut du fer, j'ai pas de fer. J'avoue que c'est un peu... Donc là, on va faire... pas mal de betteraves. Et donc, cette cuisine, elle est pour ici. Et il va nous falloir une deuxième cuisine... qui va, je dirais, directement être là. Et ce qu'on peut faire, c'est... à la limite, faire ça. Ouais, faire un truc comme ça. Je sais pas si on aura assez de gens. 5 personnes. Je sais pas si les betteraves vont pousser assez vite. Enfin, après, on pourra faire l'augmentation et mettre plus de gens. Parce que c'est vrai que là, on a eu un apport de personnes. C'est un peu abusé, en fait. Donc, ouais, va falloir gérer les gens. L'entrepôt, pareil. Faudrait faire des entrepôts. Entrepôt, ça demande quoi? Planche de bois. Ah, les planches de bois, j'en ai pas des masses. Hein. Surtout qu'il faut qu'on commence à faire des huttes, là. On va s'arrêter là, sinon je m'arrête plus. Voilà, nickel. On va pouvoir augmenter ça. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin de maison, en fait. La maison va protéger de l'air toxique et ça améliore la productivité et tout ça, et les habitants sont heureux. Plus les habitants sont heureux, et plus on va pouvoir récupérer des gens. J'allais dire récolter, c'est pas, on récolte pas vraiment des gens. Mais on récupère des gens, en fait. Donc ça, c'est bien. L'eau salée, on n'en a plus. On a tout transféré en eau. Donc, pour le moment, on n'a plus besoin de ça. Le moulin marche... Les deux moulins marchent très bien. Les deux boulangeries marchent très bien. Ça va très bien marcher. Et là, on rajoute une cuisine en plus. Nickel. Là, on va rajouter des gens. Encore une. Personne de plus. C'est bon. Allez, on s'arrête là, sinon je m'arrête pas. Voilà, on avance bien. Faut juste refaire le plein de pierre et de bois. Faut absolument refaire le plein de ça. Et après, pour tout ce qui est médical et tout, pour la créature et tout, on marche bien. On a 160 de plantes médicales. C'est pas énorme, honnêtement. C'est vraiment pas énorme, 160 de plantes médicales. Encore heureux qu'on les utilise pas beaucoup, parce que là, on utilise des champignons de soin pour lui. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est ça, mais il faut des algues. Ça, c'est si ça soigne, je crois. Restaure la jauge de faim. Quoi, attends, partir le champignon et d'autres ingrédients. Peut-être utilisé pour nourrir Bu afin de restaurer ça. Ah oui, je crois que c'est 60% en fait de soin. Par contre, là, bon, je vais perdre les 27%, c'est pas grave. Ah, je peux le faire avec ça. Il en faudrait 30 en fait.
Parce que si j'en ai d'avance... Le mieux, ça serait ça. C'est pas beaucoup, du coup. C'est que 10 algues. Mais à la limite, on peut faire ça. Fabrique une pharmaceutique peut être utilisée pour restaurer la santé. Ouais, on va en faire. On va en faire. Parce que j'ai 5 là et 2 de réserve d'antitoxines. Donc, c'est bien. Et la nourriture, j'en en a 7. Donc, c'est 20% à chaque fois. Bon, bah ça va. Ça se passe bien. Ouais. On a perdu une personne aujourd'hui. Parce qu'on avait faim. Ils l'ont sûrement mangé, en fait. Ils ont sûrement bouffé. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.